Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Kassou, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis Paris. Pratiquement, il est 2h45 heure de l'Europe. Sur heure universelle, il est 1h45. Heure universelle. Sinon, 2h45. Voilà. Voilà, je vous parle depuis Paris. Ça fait un mois plus tôt que je suis sur le continent européen. Je vous parle depuis Paris. J'ai eu plein de séances de prière. La partie de Italie. J'allais en Allemagne. J'ai sillonné un peu pas mal le secteur européen. Mais pour vous amener à comprendre que pour ceux, j'ai été choqué par rapport à cette rencontre au niveau de la diaspora. Parce que la plupart des gens venaient de l'Europe, ceux qui nous suivaient sur le YouTube, qui ont été guéris miraculeusement au travers de YouTube, les vidéos qu'on postait, parce qu'il y a des enseignements de pointe, il y a des enseignements de pointe, il y a les délivrances, et oh, en fait, les gens avaient peur du phénomène de la sorcellerie. C'est ce qui fait freiner les gens. J'ai pleuré dans mon bureau plusieurs fois, parce qu'il y avait des gens qui ont des grands diplômes, ça, ils ont fait 25 ans, 30 ans, qui sont sur le continent, eux, encore européens, ils sont malades, ils ont toutes sortes de maladies, qu'ils n'y peuvent pas retourner. Ça m'a fait pleurer. Et il y a des gens qui sont talentueux, qui sont très bien dans tous les domaines. Je vous dis, tous les domaines de la vie, nos bien-aimés sont très bien. Mais malheureusement, ils sont cloîtrés ici en Afrique et en Europe parce qu'ils ont peur d'un phénomène que la sorcellerie. Or, la sorcellerie est la définition lanceur de sorts, un agent de Satan qui vient détruire ce qu'on appelle ceux qui doivent, les hommes d'élite, qui doivent développer l'Afrique et le monde entier. J'étais vraiment personnellement choqué. De comprendre que l'Église ne fait rien, en fait, l'Église, c'est le corps de Christ, mais pas une stratégie en place pour même le retour de la diaspora. Et ça m'a fait beaucoup pleurer, en partant d'abord d'Italie, après ça, à Paris, et je suis revenu fraternellement, je suis revenu là. Mais pour comprendre que les gens souffrent, vous souffrez. C'est pour ça que je n'ai jamais fait payant certaines choses. C'est vrai même si le diable agit, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que vous devez comprendre. Jésus-Christ est Seigneur. Et en même temps, nos bien-aimés souffrent. Et en même temps, donne un sujet de prière très important à tout le monde, à toute l'Église, en Afrique, dans le monde entier. L'Afrique est la plateforme aujourd'hui qui doit apporter, n'est-ce pas, la vie autour. L'Afrique est un territoire qui est béni et riche de Dieu. Donc nous, en tant qu'Église, qui est le corps qui croit à la puissance de Dieu, nous devons amener les gens à comprendre qu'il n'y a qu'une solution. La seule solution, c'est tout qui est en Jésus-Christ. Et en même temps de comprendre que le Messie ne peut rien vous apporter, le maraboutage ne peut pas vous apporter. Aujourd'hui, hier, en fait, je parle d'hier, j'ai eu des rencontres de prière, de réception. Il y avait beaucoup de personnes, plus de 1000 personnes à Saint-Denis. Mais en même temps de comprendre que je suis réjoui. Parce que ce Aziz 47 est sorti d'une réserve. Pourquoi tu peux attendre que moi, Crasso, je quitte Abidjan et tu me demandes de bâtir? Ça fait 5 ans, toi-même, tu sais. Ça fait 5 ans, je te demande ça. Tu allais animer sur une fréquence 2, tu as parlé. Tu allais animer le fait que tu as posté des vidéos. J'arrive, hein. J'arrive. Et je te mets au défi avec tous ceux que tu sais. Va au Bénin. Va au Bénin. Et puis, il faut rassembler tous les féticheurs, tous les mystiques. Moi, tu peux pas m'attribuer le titre de féticheur. Je ne peux pas servir Satan. Pardon. Cette histoire-là, faut pas m'attribuer un. On n'est pas la même chose. Faut pas dire crasso et féticheur. Tu peux pas me voir dans tes conneries, tes bêtises tu fais. C'est pour ça que vous avez envoyé des gens m'attaquer, tout ça. J'ai des preuves, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous ne recevez plus des bruteurs qui viennent vers vous, tout ça. Je me suis tué parce que je pensais que, comme tu as dit, tu allais me tuer. Tu as dit, j'ai la presse, cette presse-là, dans TV Mac, j'ai ça, qui en fin d'année, Crasso allait mourir. C'est pour ça que je voulais parler. Mais quand tu es sorti d'une réserve, tu as parlé, tu sais, je ne suis pas encore du bon, mais tu me connais très bien. Les gens de télé vous ont appelé tout à l'heure. Tu m'as appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu à une émission télé. Je mets tout défi à un mystique, un sorcier. Je ne peux pas être un agent de Satan. Je ne suis pas servi Satan. Pourquoi j'ai servi Satan? Satan, c'est l'enfer. Satan, c'est des conneries. Et toi, quand tu parles, je t'écoute parler, tu ne parles que j'ai tel immeuble, j'ai telle femme, tout ça. Moi, j'apporte la vie autour de moi parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est la vie. Nos bien-aimés souffrent, nous sommes venus les aider. Ce n'est pas une question d'écraser. Comme tu penses que tu as une mission et télé, tu aimerais que rencontre Crasso, je viens.
Heureusement, tu penses. Moi, je n'ai pas voulu rester en Europe. Tu penses que j'allais fuir? Je suis pas là pour fuir. Vous pensez que les cassoles allaient mourir parce que vous avez fait toutes sortes de choses avec toutes les pratiques possibles. Je viens. Très bientôt. Tu vas comprendre qui est Jésus. Votre fétiche. Si tu as des dons de fétiche aux gens, pasteurs, ça n'engage que eux. Moi, j'ai décidé de servir Dieu et de demander honnête et vérité. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à m'avoir. C'est pour ça qu'aucun sorcier n'arrive à m'avoir. Mais toi, Aziz 47, tu mourras sur ton chemin. Ce n'est pas des menaces. Je veux, comme tu as dit, tu décides de me rencontrer. Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre. Je viens encore de toi. Je vais anticiper mon voyage. J'anticipe mon voyage. Je vais venir, toi. Tu vas comprendre que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi. Sorcier et pratiquant du vaudou, pratiquant du fétichisme, c'est vous qui conseillez aux gens des rites rituels. Tu n'as jamais dénoncé ça? Parce que toi, tu es un féticheur, tu n'as jamais dénoncé les crimes rituels. C'est moi qui ai dénoncé ça. Comme tu as envoyé des gens, tu as envoyé plusieurs fois des gens, tu as rencontré Seiko Poulin à Divo. Tu as donné une voiture à un féticheur pour que Crasso soit envoûté et abattu. Tu as donné, j'ai les preuves. Tu as fait pourquoi? J'ai des preuves que je ne veux pas dénoncer. Mais moi, je suis prêt pour l'émission. Aujourd'hui, tu parles, je t'ai laissé parler. Quand tu as parlé, tu voulais. Tu me laisses rentrer en Europe, je viens. Tu vas comprendre. La Côte d'Ivoire ne doit pas. Aujourd'hui, nous ne devons pas avoir ces crimes rituels. Nous ne devons pas avoir des pratiques rituelles dans nos environnements. La Côte d'Ivoire doit avancer. Pas avec les féticheurs, mais avec la vie qu'est Jésus. Moi, je suis pour Jésus. Tu peux me conseiller. Pourquoi toi, tu veux que je sois féticheur? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas toi. Pourquoi tu veux que je sois féticheur? Je ne suis ni féticheur. Je ne peux pas servir Satan. Si j'allais crier au phoque, à se adorer Satan, pourquoi avoir peur de dire ça? Toi, tu as choisi un chemin, tu parles au fort. Moi, j'ai choisi un chemin que Jésus. Je suis libre de parler de ça. Pourquoi tu m'attribues ça? Pourquoi c'est maintenant que tu parles de ça? Pourquoi est-ce que tu es le territoire européen que tu parles de ça? Je te dis une chose. Comme tu as dit, tu vas me tuer. Avant la fin de l'année, j'allais rentrer, j'allais mourir. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Comme tu as dit, maintenant, tu es prêt. Je suis prêt. Hein? J'étais toujours dit, je suis prêt. Ça fait 5 ans, tu sais. Pas parce que tu es Zazie 45, parce que tu as osé dire que tu as paradis, pasteur, que tu as voulu, qu'il n'y a rien dans le christianisme. Parce que tu as dit qu'il n'y a rien dans le christianisme, ce n'est pas un défi. Mais parce qu'il faut que tu respectes Jésus. Toi, tu ne crois pas qu'il soit Jésus-Christ. Toi, tu penses que cette adoration des fétiches, c'est ça votre religion. Mais moi, je dis qu'il y a un Dieu et c'est Jésus que nous reconnaissons. Faut que tu le respectes. J'arrive en Côte d'Ivoire. Tu vas savoir qui est Jésus. Comme tu as accepté que toi et moi, on ait débat télé. Je ne dis pas. Mais toi, mon sang, tu te rencontres, tu vas te convertir. Je te dis une vérité, tu vas te convertir, hein. Tu vas te convertir. Toi, Aziz 47, sorcier que tu es, c'est tout pour les féticheurs. Quand tu dis que tu es mystique, je ne suis ni mystique, parce que mes vidéos amènent des gens à la conversion, qui croient en Jésus. Je n'ai jamais dit que je suis Dieu, je n'ai jamais dit que je suis Crasso. Jamais j'ai dit à une personne, je suis Crasso. Tu vas connaître qui est Jésus. Je t'ai laissé parler, parce que je comprends une chose. J'ai vu les gens qui étaient derrière toi, que tu as injecté le virus de destruction dans mon environnement. J'ai vu. Tu es allé à Divo. Tu sais bien que tu as rencontré Seiko. Tu sais bien qu'il sait que tu as donné une voiture à un sorcier de Divo, un marabout de Divo. Tu sais bien que tu as fait beaucoup de choses. Tu sais bien. Il y a beaucoup de choses que je sais. Mais quand tu as décidé ouvertement, tu as posté une vidéo, toi et moi, on saura où est la vérité. Entre le diable qui est un père de mensonges et la vérité. Si je suis dans le mensonge, tu le sauras. Si toi tu es dans le mensonge, on le saura. Mère, Jésus, respecte-le. Faut pas vilipender l'église de Dieu. Faut pas vilipender l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Faut pas vilipender. C'est ça qui est mon combat avec toi. Ne ose pas insulter Jésus. Ne ose pas insulter Jésus. J'y arrive. Tu verras qui est Jésus. Sorcier.